On ne peut pas comprendre la Révolution française sans d'abord comprendre pourquoi elle a tant persécuté la religion. En seulement 5 ans de Révolution, plus de 3000 religieux ont été torturés et tués, et plus de 50 000 ont dû fuir. Même l'Inquisition en France a mis 400 ans pour condamner environ 500 personnes. La raison qui explique l'obsession de la Révolution pour la religion vient de quelque chose de très étrange qui s'est produit en Europe pendant le Moyen Âge. Des cendres de l'Empire romain est née une nouvelle civilisation. Progressivement, l'esclavage et l'infanticide, qui existaient dans tout l'Empire comme partout ailleurs dans le monde, ont commencé à disparaître. Même les tribus en dehors de l'Empire, comme les Vikings, ont abandonné l'esclavage et l'infanticide en se christianisant. Il est également consensuel parmi les historiens que la condition de la femme s'est considérablement améliorée à cette époque médiévale et cela, en raison de ces changements dans les coutumes ancestrales. La population médiévale a doublé, un taux de croissance qui n'a été stoppé que par la peste. Mais même avec la peste, il a suffi de seulement 80 ans pour que l'Europe revienne à son niveau démographique précédent. La production scientifique et culturelle de cette époque a surpassé de loin celle de grandes civilisations comme la Chine ou celle du Moyen-Orient. Plus de 70 universités telles que la Sorbonne, Cambridge, Oxford ou Rome ont été créées à cette époque, ce qui a entraîné un développement de l'ingénierie civile et navale qui a facilité le commerce et enrichi les royaumes. Mais peut-être le changement le plus étrange et important qui s'est produit dans l'Europe médiévale a été la séparation de l'autorité temporelle et de l'autorité spirituelle. Dans la plupart des civilisations, seules les coutumes ancestrales pouvaient être considérées comme supérieures à la volonté du roi, du sultan ou de l'empereur. Aucun prêtre n'avait l'autorité pour réprimander un roi, comme cela a été fait dans l'Europe médiévale. Au contraire, tout chef religieux pouvait être renvoyé par le roi. C'est l'autorité spirituelle qui a été capable de défier les coutumes ancestrales. Mais à mesure que les rois gagnaient en pouvoir, la tentation de reprendre l'autorité spirituelle augmentait. Les rois ont commencé à nommer des religieux et évêques, et aussi à influencer l'élection des papes, afin de contrôler le pouvoir spirituel. Le roi français Philippe le Bel a dominé l'Inquisition et l'a utilisé pour éliminer des ennemis comme les moines templiers. Charles Quint d'Espagne a même autorisé le pillage de Rome, qui a duré une année entière, forçant le pape à fuir. À la fin du Moyen Âge, l'Inquisition était complètement contrôlée par les rois et de nombreux fonctionnaires publics étaient des juges. En Angleterre, Henri VIII s'est autoproclamé autorité religieuse suprême pour pouvoir répudier sa femme. Il a condamné tous les moines qui n'ont pas accepté sa décision. Pratiquement tous les rois qui ont adopté la réforme protestante sont devenus l'autorité religieuse suprême de leur royaume. Ceux qui sont restés catholiques ont suivi le même chemin, alors que les papes successifs ont déclaré l'esclavage des peuples en Afrique et en Amérique comme étant illicite. Aucune bulle papale ne pouvait être lue en Amérique sans l'autorisation royale. Les jésuites qui ont lu les bulles papales contre l'esclavage ont été expulsés de Santos, Sao Paulo et Rio de Janeiro. Comme dit Montaigne, les soi-disant guerres de religion entre catholiques et protestants étaient davantage alimentées par des disputes politiques que par toute autre chose. Au Portugal, en plus de brûler un jésuite en place publique, le marquis du Pombal a réussi à convaincre tous les rois catholiques de mettre fin à l'éducation jésuite dans leur royaume. Mais lors de la Révolution, une nouvelle force allait aggraver la situation encore davantage. Pendant l'époque moderne, les puissants rois européens se sont engagés dans des guerres de plus en plus importantes. Des crises financières successives ont sévi dans le royaume de France. Pendant ce temps, comme jamais auparavant, les philosophes des Lumières inondaient le public avec toutes sortes d'idées. Beaucoup, comme Montesquieu ou Louis de Jaucourt, faisaient de l'apologie du christianisme et plaidaient pour une diminution du pouvoir royal. D'autres, comme Voltaire et Diderot, accusaient à la fois le christianisme et la monarchie d'être responsables des maux de l'humanité. Ces idées ont eu un grand retentissement parmi une classe bourgeoise dans les grandes métropoles françaises.
De nombreux religieux formés dans des centres jésuites connaissaient parfaitement les idées des Lumières, certains sont devenus des philosophes célèbres comme Abbé Raynal. Abbé Sieyès ou Abbé Grégoire. À mesure que l'économie se dégradait, les critiques des philosophes les plus radicaux gagnaient en popularité et inspiraient des journalistes comme Jacques Hébert. Pour apaiser la tension, le roi Louis XV décide de convoquer les principaux représentants du royaume pour discuter de la manière de faire face aux dettes. Les représentants de la France étaient divisés en trois ordres, la noblesse, le clergé et le reste du peuple. Parmi les représentants de la noblesse, certains voulaient une diminution du pouvoir royal, comme le futur révolutionnaire et général Lafayette. Dans le clergé, nombreux étaient ceux qui prônaient des changements profonds, et certains deviendraient plus tard des révolutionnaires fervents comme l'abbé Grégoire. Mais les futurs dirigeants de la France se trouvaient dans la troisième ordre, ou comme on les appellerait plus tard le tiers-état. Ils étaient des journalistes, des avocats, des médecins issus de la bourgeoisie, comme les Jacobins d'Anton, Marat ou Camille Desmoulins, ou les Girondins dirigés par Jacques Brissot, plus proches des idées républicaines de droite. Historiquement, chaque ordre aurait droit à un vote seulement, mais avec de nombreux représentants du clergé et quelques-uns de la noblesse, ils ont réussi à convaincre le roi, non sans beaucoup de résistance, de créer une assemblée nationale. Cette assemblée avait pour mission d'élaborer une constitution où les principales idées défendues par la bourgeoisie, telles que la sacralité de la propriété privée et l'abolition des privilèges, seraient écrites. Mais comme les discussions duraient plusieurs jours et qu'il y avait une pénurie de nourriture à Paris, la population était anxieuse et la bourgeoisie avait peur que le roi n'approuve pas les réformes. Lorsque, le 12 juillet, le roi décide de renvoyer des ministres qui semblaient plus favorables au changement, les étincelles de la révolution ont commencé à s'enflammer. Des députés jacobins comme Camille Desmoulins et Jean-Paul Marat ont fait des discours dans les rues de Paris, affirmant que les troupes royales s'apprêtaient à réprimer le peuple dans le sang. Les 13 et 14 juillet, des lieux militaires ont été attaqués, de nombreuses armes ont été volées à l'hôtel des Invalides. Ainsi, une véritable armée composée principalement d'une milice bourgeoise, mais aussi de militaires religieux et de personnes de diverses professions, s'est dirigée vers le château de la Bastille. Mais la Bastille était une immense forteresse difficile à pénétrer. Tout au long de la journée, plusieurs délégations révolutionnaires ont tenté de convaincre le gouverneur de se rendre. Un chef révolutionnaire religieux, l'abbé Claude Fauchet, participe aux discussions sans résultat. Grâce aux tirs de canon, le gouverneur se rend sous la promesse que lui et ses hommes ne seront pas tués par les révolutionnaires. Mais en chemin vers l'hôtel de ville, le gouverneur et Jacques de Flessel sont attaqués et décapités par la foule, leurs têtes sont exposées sur des lances. Le docteur anglais Edward Rigby, qui a observé la scène, a déclaré n'avoir jamais vu un acte aussi sauvage. En réponse à ces événements, l'Assemblée à Versailles décide de déclarer les droits de l'homme et du citoyen ainsi que la fin des privilèges de la noblesse. Les trois quarts du clergé soutiennent les réformes. C'est l'évêque Charles-Maurice de Talleyrand qui sera l'auteur de l'un des paragraphes les plus importants de la Constitution. Ce paragraphe stipule que la loi doit être la même pour tous, qu'elle protège ou punisse. Comme le roi tardait à approuver certaines mesures, une foule de Parisiens partit à pied de Paris jusqu'au palais de Versailles pour demander l'approbation des réformes. Deux gardes du roi furent tués dans la confusion et le roi fut contraint de déménager à Paris. Ainsi, Louis XVI et toute la famille royale abandonnèrent Versailles pour s'installer au palais du Louvre et n'y retournèrent jamais. L'Assemblée déménagea dans une salle près du jardin du Louvre, où les discussions sur les réformes se poursuivirent. De nombreux religieux proposent de vendre une bonne partie des biens religieux pour payer les dettes du royaume, mais la proposition adoptée fut encore plus radicale, tous les biens du clergé seront confisqués par l'État. Même des membres révolutionnaires de l'Assemblée, comme l'abbé Sieyès, étaient contre cette mesure, car la sacralité de la propriété privée avait déjà été inscrite dans la Constitution. Mais l'argument sous-jacent était incontournable, puisque le roi était en pratique l'autorité suprême de l'Église en France. Il appartenait donc au roi et non à l'Église de décider de ses biens. C'est le 12 juillet 1790, presque un an après la prise de la Bastille, que la Révolution vote le texte qui changera complètement le destin de la France. Pratiquement toutes les ordres religieux seront abolis,
les vœux monastiques seront interdits et tous les prêtres seront des fonctionnaires publics. Ainsi, tout ce qui concerne le travail du prêtre sera décidé par l'État, ce qui fait en fait de l'État l'autorité suprême sur les religions en France. La plupart des religieux, bien qu'ils soutiennent les autres réformes, se révoltent contre cette mesure et sont expulsés de l'Assemblée. L'abbé Grégoire, qui était l'un des révolutionnaires les plus fervents, essaie de tempérer ce texte. Le roi, acculé, approuve la Constitution. De nombreux documents de l'époque montrent que des régions comme la Bretagne, le Nord ou l'Alsace, qui avaient un grand enthousiasme pour la Révolution, sont devenus extrêmement hostiles. Les religieux étaient très proches de la vie de la population dans ces régions. Même l'abbé Raynal, l'un des philosophes des Lumières les plus populaires, qui a coécrit des livres avec Diderot, a personnellement remis un texte à lire à l'Assemblée, condamnant le traitement des religieux. Grâce à ce texte, Raynal a été considéré par beaucoup comme un traître à la Révolution. Peu de temps après, l'Assemblée met également fin aux guildes de travailleurs, considérées comme un pouvoir parallèle du Moyen Âge, ce qui a complètement désorganisé les collectifs de travail. Entre 1791 et 1792, le nombre de décrets contre les religieux augmente, mais officiellement, ils ne sont pas passibles de la peine de mort. De nombreuses églises sont fermées par les autorités locales. Pendant ce temps, l'Assemblée décide de faire déclarer la guerre préventive au roi de Bohême, mais cela crée une alliance contre la France, augmentant encore la peur de la population. Le roi, refusant d'approuver de nombreux décrets de l'Assemblée, perd également le soutien des députés les plus modérés, les Girondins, comme Jacques-Pierre Brissot. Pour ces raisons et d'autres, une deuxième grande campagne révolutionnaire se forme à Paris, cette fois-ci pour renverser définitivement la monarchie. Le palais des Tuileries est attaqué le 18. 600 hommes, parmi les gardes et les révolutionnaires, meurent ce jour-là et beaucoup sont faits prisonniers. La famille royale est arrêtée, et plus tard, les deux enfants du roi, Marie-Thérèse de 13 ans et Louis-Charles, âgés de seulement 8 ans, sont emmenés avec leurs parents. Un an plus tard, ils seront séparés de leur famille et n'auront plus de nouvelles de leurs parents. Louis ne survivra que 3 ans en prison. Malheureusement, ses enfants ne seront pas les dernières victimes de la Révolution. Avec la fin de la monarchie, l'Assemblée devient la Convention. De nouvelles élections donnent une majorité relative au groupe le plus enclin à la guerre contre l'étranger et moins radical dans la répression religieuse, Brissot et les Girondins. Mais la menace étrangère grandit et génère une paranoïa au sein de la Commune de Paris. Le résultat est que des groupes armés liés à la Commune de Paris et d'autres villes envahissent les prisons et procèdent à des jugements. Ils exécutent la plupart des prisonniers, principalement des religieux. Plus de 1000 personnes sont exécutées à Paris, dont au moins 191 religieuses emprisonnées. Au total, plus de 3000 hommes et femmes sont tués dans toute la France lors de ces événements, connus sous le nom des massacres de septembre. Certains jacobins, comme Marat, rédigent des articles soutenant les massacres religieux. Des déportations sont ordonnées pendant cette période et des périodes postérieures. À cause de conditions déplorables, environ 200 d'entre eux meurent lors du voyage. Cette année-là, un nouveau calendrier entre en vigueur de façon à effacer toute référence au christianisme. Le Dieu chrétien doit être remplacé par la raison. De nombreux livres et archives des paroisses sont détruits, tout ce qui est lié à la religion est considéré comme une menace. Notre-Dame de Paris est transformée en un temple athée dédié à la raison et à la fraternité des peuples. Mais le pire chapitre de la Révolution reste à venir, comme l'a prédit Montesquieu, la raison sans le christianisme se révélera être une déesse sanguinaire. La Convention convoque 300 000 hommes dans toute la France pour partir à la guerre, mais de nombreuses régions ne voient pas pourquoi elles devraient laisser leurs enfants partir servir un État qu'elles considèrent comme tyrannique. De petites rébellions se forment dans toute la France, suivi de répressions sanglantes commandées par l'État. Cela se produit dans de grandes villes comme Lyon, mais c'est dans l'ouest de la France que l'on trouve la plus grande résistance. La Convention envoie alors de véritables armées commandées par de jeunes généraux pour mettre fin à la résistance. Ce chapitre, connu sous le nom de guerre de l'Ouest, est le plus cruel de la Révolution. Au début, les troupes de la Convention perdent des batailles, mais elles disposent de beaucoup plus de fusils et de canons, ainsi que du double d'hommes.
entre les généraux envoyés pour cette guerre civile, certains présentent un radicalisme révolutionnaire. Les lettres du général Westermann au gouvernement montrent que sous ses ordres, ces hommes ont persécuté et l'exécuté de femmes et même d'enfants. Ces guerres se transforment en massacres. Les membres moins radicaux de la Convention ne font rien pour arrêter les massacres. Probablement par peur de perdre le pouvoir. Dans toute la France, les religieux sont traqués par des patrouilles pour être arrêtés ou fusillés, et les femmes et les enfants des villages suspects sont massacrés par ce qu'on appelle les colonnes infernales, qui suivent les ordres de la Convention. La lettre d'un révolutionnaire raconte comment ils ont massacré un village à l'intérieur d'une église à Noël. 400 personnes sont mortes. Mais comme il ne peut y avoir d'enfer sans feu, la Convention autorise à brûler des champs et des forêts, causant plus de morts indiscriminées. Beaucoup de rebelles civils et du clergé se rendent et demandent une amnistie, mais la raison, selon les révolutionnaires, ne connaît pas la pitié. Dans diverses villes, plus de 5000 prisonniers sont attachés à des bateaux et coulés pendant la nuit. Les prêtres sont les premiers à être choisis pour être noyés. Environ 300 religieux et de nombreux enfants meurent. Robespierre, ancien défenseur de l'abolition de la peine de mort, pousse la Convention à tuer ses ennemis politiques, les Girondins. Plus de 21 Girondins sont arrêtés et exécutés. Danton et plusieurs députés plus modérés sont également exécutés. Avec l'exécution des Jacobins alliés à Danton, les alliés de Robespierre prennent le pouvoir. Ils décrètent que la France doit rendre un culte à un être suprême, une religion qui pourrait remplacer le christianisme. Mais ce nouveau dieu n'est pas beaucoup mieux que la raison. En quelques jours seulement, plus de 1000 personnes sont exécutées à Paris, des politiciens ou des membres de la presse, modérés ou plus radicaux, comme Hébert et sa femme, sont exécutés. Robespierre parvient à faire déclarer par la Convention l'abolition de l'esclavage. Ironiquement, le grand allié de Robespierre sur ce sujet était Brissot, chef des Girondins, qui a été tué par Robespierre. La terreur continue dans l'ouest de la France, à Nantes, des centaines de prisonniers sont exécutés, y compris 4 enfants. La population commence à douter des véritables motifs de tant d'exécutions. Même si Robespierre n'est pas directement impliqué, ce sentiment atteint son paroxysme lorsque le 17 juillet, 16 carmélites sont condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire, simplement pour ne pas avoir renié leur foi. La foule habituellement bruyante regarda en silence l'exécution des carmélites sans comprendre comment des religieux inoffensifs pouvaient représenter une menace pour la nation. Un peu plus d'une semaine après la mort des carmélites, Robespierre perd le pouvoir, est jugé et condamné à la guillotine. Probablement, l'exécution de ces victimes évidemment innocentes eut un effet plus efficace pour la paix que les armes. Progressivement, la violence diminue. Un nouveau gouvernement donne amnistie aux rebelles et les religieux. Les prêtres réfractaires sont tolérés dans plusieurs régions de la France. Au cours des prochains siècles, la France connaîtra des cycles de croissance et de répression. Les congrégations reviendront en France et le christianisme connaîtra une croissance extraordinaire. Mais quelques décennies plus tard, les jésuites seront à nouveau expulsés et les prêtres seront à nouveau fusillés. Des rois, des empereurs et des présidents se déclareront implicitement ou explicitement chefs de l'autorité spirituelle à plusieurs reprises. Mais la violence sera un peu moindre que dans le cycle précédent et la foi reviendra encore plus forte.